Ouais, ça s'est super bien passé. Les gens étaient aimables, il y a eu des questions assez sympas et ça m'a fait remémorer un peu mon passage dans mes anciennes équipes. Et voilà, c'était assez sympathique, il y avait les enfants et voilà, il y avait les coachs aussi qui répondaient aux questions. Donc ça m'a permis un peu de voir comment lui réagissait par rapport aux gens. Si je le vois sur le terrain, mais pas forcément face au public. Donc voilà, maintenant je le connais un peu à ce niveau-là. C'est vrai que c'est quelque chose que vous faites pas très souvent, j'imagine, rencontrer comme ça des supporters, enfin pour des rencontres où ils peuvent vous poser les questions. C'est quelque chose que tu fais souvent ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment rare dans une carrière. J'en ai pas fait 10 dans toute ma carrière, quoi. Donc je m'y attendais pas à ça. Et franchement, après, je vais pouvoir aller signer des autographes, manger un morceau avec eux, ça j'ai jamais fait, quoi. Et t'as été surpris un petit peu par leurs questions ou pas du tout? Si, un petit peu, mais c'est normal, hein, ce sont des supporters, donc il y a des questions où je m'y attendais déjà, quoi. D'accord. Bon, ça, c'était plutôt sympathique. Ouais, c'était sympathique et voilà, les gens n'étaient pas trop agressifs dans leurs questions et c'était assez sympa. Puis en plus, comme tu dis, ça te permet de connaître un peu mieux ton coach, alors en dehors du basket. Ouais, c'est vrai qu'avec le coach, on va manger avec les coéquipiers, mais on va pas manger avec le coach, donc on sait pas vraiment comment il voit la chose. Par exemple, la question sur les temps morts, j'ai pu voir comment il réagissait, quoi.